Mélissa ? Oui, papa ? Tu es en retard ? J'arrive ! Et je veux pas que tu aies un épaule sans manger. Bon, d'accord, d'accord. Bonjour, papa. Ah, mais tu es belle. Merci. T'es pas mal, non ? Mais je parie que ta maman va te courir après pour cette tenue. Maman passe sa vie à me courir après. Tu prends le fromage ? Il y en a pas. Tu prends le beurre ? Il y en a pas. Ah ! T'as pas l'intention de changer tous ces principes rien que pour lui faire plaisir. Maman, dans ce cas, il n'a qu'à aller voir ailleurs. Il réalisera qu'il ne peut pas trouver mieux et reviendra. Et puis dites aussi à Madame Charles que Monsieur Blaise a précisé d'avoir le rapport sur son bureau avant midi aujourd'hui. Sinon, elle risque de perdre son contrat. C'est ça. À tout à l'heure. Maman, il n'y a ni beurre ni fromage. Je sais, je n'ai pas été au supermarché parce que je n'ai pas, le temps. Tu n'as jamais le temps, maman. Mais écoute, il n'y a aucune raison pour que ce soit moi qui aille tout le temps au supermarché. Tu peux très bien le faire à ma place, Didier. D'accord, merci, je le ferai. Je vais avec toi, papa. Avec plaisir, je vais. Hé, hey, mais tu pourrais prendre le temps de manger, Martine. Oui, je sais, mais je suis plutôt blessée ce matin. Tu peux déposer Mélissa avec toi? Ouais. Ouais, mais dans ce cas, on y va. Mais qu'est-ce que tu portes là, Mélissa? Des vêtements, maman. Tu veux aller à l'école comme ça? Mais bien sûr, comme toutes les filles du collège. Non, Mélissa, tu vas le changer. Hein? Mais oui, d'accord. Bon, à plus tard. Maman, tu oublies ton appareil. Ah. Merci, ma chérie. Bonne journée. Tu te changes, hein, Mélissa? Mais oui, oui, oui. Chérie? Oui. Chérie. Je t'écoute, Elisabeth, parle. Tu sais qu'on va aller chez les Jean-Pierre ce soir. Oh là là. Évidemment, tu avais oublié. Écoute, Elisabeth. Si on je ne pourrais pas y aller. Et pourquoi? Je dois me rendre à ce dîner pour la banque ce soir. Je dois t'y accompagner? Mais non. Ça risque de tourner en réunion de travail et tu vas t'ennuyer. Ah bon, parce que tu crois qu'en restant ici, comme une idiote, je vais m'amuser. Tu vas chez les Jean-Pierre et si je finis tôt, je te rejoins, d'accord? Tu prends ma veste, je t'en prie. Bien sûr. Chérie, tu sais que je déteste sortir seule. Écoute, appelle une de tes amies, Elisabeth. D'accord. Tu sais, ta mère part en voyage. Oui. J'espère que tu trouveras le temps d'aller la saluer. J'essaierai, c'est pas sûr. Tu connais ta mère, elle se formalise pour tout. Écoute, ma mère ne comprend rien à rien. Je dirige une institution, ma chère. Je ne peux pas laisser tomber mes obligations juste pour aller l'embrasser et l'entendre se plaindre des incartades de mon père. Hein. Je peux t'aider? Tu cherches quelque chose? Non. Je prenais juste ta veste, c'est tout. Ok. Eh bien, je te remercie, chérie. Bon, voilà. Je m'en vais, chérie. Ouais. Bonne journée. Bonne journée. Chérie, tu oublies tes verres. Oh. Tu oublies ta lunette. Ah, merci. Allez. Bonne journée. Bye-bye. Ce monde complexe, prédomine le sexe, la richesse, la beauté, triant sur la loyauté. Les intrigues s'entremêlent, les passions se déchaînent, et un jour on comprend que tout est vanité. Bonjour Magali. Bonjour Monsieur. Ça va? Ah, comment ça va?
Bien le Une nouvelle coupe, hein? Ah oui, oui. Elle est superbe. Merci. Bonjour les filles. Bonjour le journal. Bonjour Monsieur Bell. Bonjour Karine, ça va bien? Bien Monsieur Bell. Alors, comment allons cette journée? Recharger. Vous voulez qu'on vous apporte du café? Avec plaisir, Karine. Cette journée. Vous avez une demi-heure pour la connaissance de votre cours. À 9h, vous avez rendez-vous avec l'avocate là-bas au sujet de l'affaire Alexandre. Ça, c'est ici, hein? Oui. Alexandre Mangard, vous devez passer pour une obligation de la Sigma SA. Bien. C'est tout près d'ici, sur la route du Canaré. À 2h, monsieur Jean-Baptiste, l'architecte, vient vous montrer les plans de la succursale. Magnifique. À 3h. À 3h, réunion avec le conseil. C'est une de ces journées où il me faudrait 36h, c'est ça? Je suis désolée, monsieur, mais ce soir... Mais c'est quoi cette histoire? Bonjour, madame de la... Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Bonjour, ma fille, et de quelle histoire s'agit-il? Je viens d'apprendre que c'est Jean-Maxwell qui va être nommé directeur de Dell Transfert. Il se pourrait, oui, mais le conseil n'a pas encore décidé. Assieds-toi, Martine. Mais ce poste me revient. J'ai 5 ans ici alors que lui, il n'en a que 4. Il va bientôt en avoir 5 comme toi, Martine. Ce n'est qu'une question de moi. Peu importe, je suis la plus ancienne. Et il me semble que ça compte, disons, dans une administration saine. Je ne comprends pas ce que tu veux insinuer, ma chère. Je veux dire que tu sais que je me tue pour la Delta Bank et que je tiens à cette promotion. Je ne pense d'ailleurs pas que je la volerai. En principe, elle me revient de droit. En principe. Mais si en analysant les dossiers de tous ceux qui aspirent à ce poste, on se rend compte que tu n'es pas la meilleure dans l'intérêt de la banque... Tu sais bien que je suis la meilleure. Je le sais, moi, Martine, mais il faut que je le prouve au conseil. Alors prouve-le. Bon, c'est que... C'est que quoi? André! Confirme et déposer les plateaux à ce table, mes services. Du café? Non. Eh bien, tu sais, tu as commis une erreur dans un dossier que je t'ai confié récemment. Une erreur assez grave qui aurait pu causer des dégâts. Est-ce que je vais passer le reste de ma vie à payer pour une simple erreur? Une erreur, tu l'as dit, ce n'était qu'une erreur. Et la banque n'en a pas souffert. Parce que je l'ai relevé à temps, Martine. Et ce n'était pas une simple erreur, tu le sais très bien, c'était une grave erreur. Et la banque aurait pu perdre une fortune. Elle n'a pas perdu un sou, que je sache. Parce que j'étais derrière. C'est grâce à mon intervention que la banque n'est pas tombée dans la catastrophe. Mais je pense t'avoir suffisamment remercié. De toute façon, c'est du passé. Et tout ça, c'est entre nous. Personne d'autre au niveau du conseil n'est au courant. Non, Martine, c'est notre secret. Et tu vas le garder? Ça, ça dépend de toi. Et je me trompe. Oui, il y a un marché dans le... Voyons, Martine, voyons. Disons que... Allons-y, franchement, je dois payer ton silence. Tu sais, Martine, tu es une personne que j'ai toujours appréciée. Même beaucoup. Et je t'ai même fait la cour à un certain moment de la durée. Oui. Et je pense t'avoir toujours dit que j'étais une femme mariée. Et je t'ai toujours répondu que moi aussi j'étais mariée, nous le sommes tous les deux, non? À la différence que moi j'aime mon mari. Plus que ton travail. Ah, bien sûr. En es-tu vraiment sûre, Mathieu? Bon, disons que mon mari c'est mon mari et mon travail c'est mon travail. Faut-il vraiment comparer? Oui, il te faut fixer tes priorités, Mathieu. Ta priorité pour l'instant c'est ton avancement professionnel. Et la tienne? La mienne. Monsieur Blair. La mienne, Martine. La mienne. C'est toi. Moi. Oui, toi. Tu veux ce poste? Moi, je te veux. Et je suis prêt à te donner ce que tu veux. Et bien sûr, moi, je... Tu me donnes ce que je veux. En fait, il s'agit tout simplement d'être gentil avec moi. Et c'est quoi ta définition de la gentillesse? Martine, Martine. Faut-il que je te fasse un dessin? Non. Alors? Alors, je veux ce poste. Bien. Tu sais ce que j'admire le plus en toi, Martine? C'est ta détermination et cette façon que tu as de me regarder. Pas ici, demain. J'ai une idée. Demain, je dois représenter la banque à une réception dans un hôtel très chic. Accompagne-moi, on pourra y passer une partie de la nuit ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que j'ai un mari et une fille qui ne comprendraient pas que je passe la nuit en dehors du toit familial. Dommage. Dommage, Martin. Non. D'accord, je t'accompagne à cette fête. Et après, on pourra passer, disons,